السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها لهذا الموضوع الخاص بالمستوى الجدع المشترك العلمي، والذي يتعلق بكل ما له صلة بكمية المادة، أي la quantité de matière et la masse molaire, la concentration molaire et différentes questions. Donc je vous donne, ou bien je vous laisse le soin de lire parfaitement cet exercice et de répondre bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu en cours, et après vous pouvez me suivre pour vous montrer la façon comment on répond à ce genre de questions. Alors on dispose d'une solution aqueuse, et lorsqu'on dit une solution aqueuse, c'est-à-dire il y a présence de l'eau, de glucose de formule C6H12O6, de volume V0 de 100 ml et de concentration C0 de 10-2 mol par litre. Alors la première question, calculer bien quelle est la quantité de matière du glucose qui contient cette solution, quelle est la masse du glucose que contient, quelle est la concentration massique. On se propose de préparer par dilution de la solution S0 une solution S de concentration C. Alors, quel est le volume V de la solution? Est-ce peut-on préparer à partir du volume V0? Quel est le volume d'eau ajouté? Voilà, on vous donne les masses molaires, bien sûr, de chaque composé, ou bien chaque substance, ou bien chaque atome, bien sûr. Alors, on va passer aux réponses. Donc, pour la première question, la quantité de matière, donc vous savez bien sûr, vous avez une formule qui lie la concentration concentration bien sûr molaire en nombre de mol, donc la concentration le nombre de mol sur le volume. Alors je vais prendre un autre stylo pour voir les choses plus claires. Donc ici vous avez V0, donc pour déterminer donc la quantité de matière, c'est quoi? C'est C0 V0, donc vous faites l'application numérique, donc c'est 2 10 moins 2 que je dois multiplier par 200 ml, que je dois la convertir en litres, donc je trouve 0,4 10-2 mol par litre. Donc voilà, je vais le noter ici, donc N c'est 0,4 10-2 mol, pardon, ici le nombre de mol sera en mol. Voilà la première réponse. Maintenant, quelle est la masse du glucose? Toujours, on va appliquer cette formule-là, sachant que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Alors, je peux en déduire, la masse, c'est quoi? C'est le nombre de mol que je multiplie par la masse molaire. Alors là, vous savez que la masse molaire, c'est quoi? Du glucose, il est composé de quoi? De 6 atomes de carbone, donc je dois mettre 6 fois la masse molaire de carbone, plus combien d'hydrogène? J'ai 12 fois la masse d'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène. C'est-à-dire, j'aurai ici, je vous fais les calculs, vous avez la masse molaire de carbone, c'était égal à 12, 12 fois 6, c'est 72, donc vous faites votre application numérique à l'aide de votre calculatrice, vous allez trouver 180 grammes par mol. Alors, donc la masse, c'est quoi? C'est le nombre de mol qui est égal à 0,4 10-2 que je dois multiplier par 180. Donc pour trouver, voilà, la masse, c'est 0,72 grammes. Donc voilà votre masse. Quelle est la concentration massique? Toujours les formules. Donc la concentration massique, c'est quoi? C'est la masse divisé par le volume. Alors, c'est-à-dire c'est 0,72 que je divise par le volume, c'est 0,2 litres, donc je trouve 3,6 grammes par litre. Maintenant, on se propose de préparer par dilution de la solution S0 une autre solution S de concentration C. Mais maintenant, on a la solution, pour vous mettre, on a la solution S0 de concentration
C0, FV0. Et à partir de là, on veut en déduire, ou bien on prépare une autre solution S, cette fois-ci de concentration C et de volume V. Alors, bien sûr, vous savez que toujours dans ce genre de mode opératoire qui concerne la dilution, vous savez que la quantité de matière reste constante. Il y a une quantité في هذا التحول تبقى ثابتة بمعنى كمية المادة هي تركيز في الحجم دونك كمية المادة التي موجودة في الزيرو هي نفسها في هذا التحول عند هذا التحول يعني ستكون سي فوا في الهدف هو إيجاد هذا الحجم في دونك في ني اوت كو سي زيرو في زيرو سور سي. Alors je fais l'application numérique. Donc j'ai 2, 10, moins 2, que je dois multiplier par 200, et je divise par 4, 10, moins 3. Donc c'est-à-dire ça me donne 1000 millilitres. Voilà. La réponse à cette question, vous pouvez laisser soit convertir en litres. Quel est le volume d'eau ajoutée? Bien sûr, lorsqu'on a la solution ici F0, on lui a ajouté un certain volume d'eau. Alors pour obtenir en fin de compte un certain volume V qui égale à V0 plus V de l'eau. Alors à partir de cette relation, on peut déduire V0 qui n'est autre que V moins V0, c'est-à-dire 1000 moins 200. C'est-à-dire que le volume V, le volume qu'on cherche, c'est-à-dire V de l'eau. Hein, c'est V de l'eau. Donc, est égal à quoi? Égal à 800 millilitres. Donc, voilà la réponse à cette question. Donc, vous remarquez bien que c'est un sujet assez simple. Il vous suffira tout simplement d'utiliser et de savoir utiliser les différentes relations qui concerne à savoir la quantité de matière, la concentration molaire, la concentration massique. Donc ces relations-là, vous êtes obligé de les apprendre par cœur et de savoir bien sûr l'utiliser dans les réponses de vos exercices. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.